Et salut YouTube, on revient sur Ori and the Blind Forest pour la suite de nos aventures. Nous sommes en direction du bosquet creux, pardon, du bois brumeux. Et pour l'instant, nous sommes dans le bosquet creux. Donc nous allons chercher la clé de Goumon. Des Goumons, pardon. Par contre, des Goumbo. Goumbo. Petite automobile. C'est vénère ce truc. Ok. Alors on a ouvert vers là-haut. On fait une salle de sauvegarde. Très bien. Très content. J'adore les projectiles qui one shot. J'adore les duels et nous forcifs aussi. Ça, je suppose que si je le touche, bah je crève. Comme ça par exemple. Mais ok, très bien. De mieux en mieux. Ça va, tout va bien. Je suis pas démoralisé. J'ai juste le regard vide et apathique parce que c'est mon air naturel. On passe bon moment avec des choses stupides. Oh! J'aurais tiré, garçon! Ah, mon accessoire! J'ai pas encore brisé ça. Moi, je n'avais pas l'impression. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Sur X pour Eppelside. L'élément de la chaleur se trouve par là, par-delà les portes du mont Oru. Pour les passer, il nous faut la pierre solaire au sommet du col du chagrin. Oh non, me dis pas que je t'ai tapé tout ça pour rien. C'est pas grave, hein, c'est pas grave. Ouais, le retour est infernal en plus. Parce que je suis mauvais aussi. Bon, du coup, on sait qu'il y a rien là-bas. Crache ton venin!
morceau de galère. Magnifique. Superbe atterrissage. 10-10. Je crois que le jeu me déteste. Qui était une excuse complètement valable quand j'étais petit. Hein. Le jeu m'a reconnu, le jeu me déteste. Et toujours... très bonne excuse quand vous perdez. Hein. C'est... Franchement, blâmer la manette, c'est le niveau de petit loser. Quand on est un vrai loser comme moi, on blâme le jeu. De vous avoir reconnu. Alors peut-être que maintenant il y a des trucs qui analysent votre gameplay et tout, mais quand on joue sur un Amiga 500, c'est peu probable. Pour ne pas dire complètement crétin. Alors on est en train d'atteindre ce point de sauvegarde. Et on va l'utiliser comme TP. Un boost qui est creux. Ça devrait nous rapprocher un petit peu de notre objectif. Pas forcément beaucoup, mais... Alors, d'où qu'est-ce qu'on en est? Alors, il y a un passage là-haut. Il y a des choses qui se passent là-bas. Mais on n'est pas bien avancé. On essaie d'accéder là-haut. Parce que je suppose que c'est là-bas que la suite de nos aventures a lieu. Voilà. Vallée des vents. Merci de ne pas... avoir de cellules de compétences, magnifique. Ça nous permet d'avoir... Il y a d'un ultra, on ne peut pas encore. L'efficacité vitale, 2 fois plus de vitalité pour un bonus. Brûlure de flamme attisée. Quoi, le rayon est égal à la flamme attisée. La flamme attisée, c'est l'espèce d'explosion. Moi, je préfère des meilleures flammes, mais bon. Prendre flamme attisée, ça me permettra d'avoir la... Le double shot. Elle est bien vénère. On est où? Calmez. Corbac, je vous jure. Nos amitiés, bien sûr, pour tous les ennemis, pour tous nos amis, les sales corbeaux. Ça, ça passe, ça. Ça passe. Qu'est-ce que ça ouvre? Passage là-haut. C'est fermé par ici, on va du coup crever sur ce mur épineux une bonne quarantaine de fois, je pense. C'est calmé, oui. Tout ça pour ça. Mieux que rien, on va pas se plaindre. Déjà fait de toute façon.
faire ça chaud pour un petit peu d'expérience. Les poissons. Hop, un fish and chips. Que ces décors sont jolis. Cheminée vers le haut, un passage à gauche, le cheminée, je pense que c'est un piège à con. Nous allons donc nous y précipiter. C'était prévisible, on va essayer de se faire corbeau par une ruse de Sioux. Hop. L'idée de base était vachement bonne et la réalisation beaucoup moins. Super. Double kill. Si seulement j'étais pas dedans aussi, ça serait très bien. Bon, faut arrêter ça maintenant, monsieur. Et venez, on fait semblant que je sais jouer. Pendant t'en prendre un mec qui est un positronneur désintégrant. Dans Ori, on a marre de la vie. C'est complètement ce que je voulais faire. J'ai sauté comme un teubé. C'est pas grave. Dans l'espèce de creux et que j'ai envie de le truc. Oh mais non, il y a un mur là-bas. Il s'est battu 2 heures pour pas avoir 3 mots d'XP, mais il les a eus.
Okay. Alors si c'est pas par là le donjon, je suis... Tant que Kuro sera dans les environs, nous ne pouvons pas entrer dans le bois brumé. Cela dit, nous pouvons peut-être détourner son attention en faisant tomber ce rocher. Essayons de marmoufler. Oh oui, c'est marmouflage. Ouh, ça pique. Pas bourré les enfants. Allez, une plume de Kuro qui est tombée. Et ça tombe bien, nous sommes juste à côté. Tu as récupéré la plume de Kuro. Pour l'utiliser, appuie sur A, puis sur Right Trigger. La plume de Kuro te permet de planer librement ou de te laisser porter par des courants aériens. On y croit. Piou. Cette lanterne voilée, c'est de sa mèche que s'échappe cette mystérieuse brume. Trouvons un moyen de l'allumer. Peut-être y verrons-nous plus clair. Ok, on n'a pas de map. Là, ça va pas du tout être la galère. Bravo. Ce crachoir de feu, mais quoi? Non, mais... J'avais pas vu, il sera cru, c'était bien planté. Plus qu'un point de vie, tout va bien. Nous restait plus qu'un point de vie, tout va bien. Donc
trop attention, c'est pas grave. On dirait qu'il a attendu que je sois devant lui pour shooter. Mais quoi, je tire bien vers le haut là. Ça dépasse de loin mes compétences. Ça, j'ai le bouton pied, il y a micro délai qui je sens va me prendre la tête.
Alors, qu'est-ce qu'on peut se débloquer? La flamme spirituelle touche deux cibles en même temps. Ça, c'est très bien, ça. Un bout de clé. Super, sachant qu'on n'a pas trouvé de porte. Je vois. La torche d'Atsu, elle était donc ici. Si nous la portons à la lanterne voilée, peut-être nous montrera-t-elle la voie. Il faut trouver la voie. Perdons-nous au milieu de ces larves un peu mystiques, un peu beaux. Il y avait un monstre que je n'avais pas vu. Sûrement qu'avec un tel talent, cet homme ne peut que jouer à des jeux extrêmement durs, genre Dark Souls. Eh, vous n'avez pas tort. Enfin, disons que j'ai une manette en main, et puis des fois il y a un jeu dur, et puis des fois c'est Rory, et dans tous les cas je me fais fesser.
plus prudemment. Ça se passe pour pas une pétrole, ça merde. Par des limaces, c'est un petit peu honteux. Qui va sûrement se solder par un gros truc qui va me tomber de la gueule. Et donc non. Cool un pouvoir. Tatsu escaladait les montagnes, surplombant le col du chagrin. Lorsque la torche de son frère faiblit, elle tomba dans la brume où elle s'égara. Ils sont joyeux de cette histoire. Maîtrise la compétence grimper pour l'utiliser, appuie longuement sur RT lorsque tu es contre un mur. Et ça va nous faciliter pas mal la tâche. Désolé pour les bruits de liquide. Il y a des gens qui ont soif. Hydratez-vous. Ah oui, ça change quand même pas mal. L'arnaque!
Il y a du gros champlard fantomatique. Ah oui, tu en vois. Ok. Au fur et à mesure, ça va être génial. Jusqu'ici, ça va. Très bien, j'ai fini ce bordel. Très bien, mais on n'a toujours pas trouvé de porte. Je me disais que j'avais un petit peu trop de points de vie à mon goût, alors du coup, il fallait en profiter. Oh, je me suicide, on dirait moi. J'ai oublié de récupérer la clé. Pour la 8ème fois consécutive, je suis un boulet. Die, 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 die. Squeal. Ouais, ça pue un peu l'arnaque cette histoire. Ouais, je fais quand même. Hein. C'est compliqué cette affaire, hein. Bah, faut hésiter. Fallait pas du tout sauter. Fallait pas aller trop vite. Thank you.
Merde. On aurait pu se servir du scoreback. Save spot, ouais. Je me suis accroché au pic, ce qui était une idée, ma foi, fort judicieuse. Hein. Vous, je pense que vous êtes en train de vous mordre les dents là, mais... Moi ça va. Barca. Donc c'était pas par là. Gauche peut-être. Non. Plus. Ça doit pas être bien loin. Vu le sommet. Ah,
Rendel qui a mon petit suicide de temps en temps, hein. Ma barre de vie disparaît avec une vitesse. La grosse différence de vie que j'ai gagné depuis le début, c'est qu'au lieu de me faire one shot, il me fait two shot. Petit lien de vie. Ça met du saut de précision entre les trucs maintenant. Ah mais vous êtes sérieux quoi. Comment ça s'est passé là? Heureusement que parfois les ennemis se suicident. Eh ben putain. C'est pas trop tôt. Chelou. Et alors, s'accrocher à la plateforme, bien. S'accrocher au truc en épine qui tient à la plateforme, pas bien. S'il y a deux côtés, c'est qu'il y a forcément un piège à compte de l'autre. Pourquoi tu t'es pas accroché, espèce de con? Allez, concentration. L'animation sans faire, ça devrait aller mieux comme ça. Ouais, j'ai pris bien cher quand même. Putain, fais pas chier toi. Tiens, allez, casse-toi, mange tes morts.
Et mais on va y arriver à cette lanterne à la con. Elle aussi, très bien. Les ennemis sont vénères. Hein. Cette lanterne, on va voir, je l'espère, la map du coin. Oui, certes. Ah putain, c'était que le truc pour allumer la lanterne, c'est pas la lanterne elle-même. Je sens que ça va être chiant et fastidieux. Ouais. Ça va être chiant, fastidieux, bah du coup on va se garder ça pour la prochaine fois. Bah salut à tous, merci de nous avoir suivis, et puis à la prochaine pour d'autres morts ridicules, d'autres aventures et d'autres moments d'énervement. Salut à tous, salut.